Re-YouTube. Hop. Donc on termine notre dernière boucle. On a la théorie de ce qu'il faut faire maintenant. On va essayer de l'implémenter. Faudrait que je dorme 5 minutes quand même, non? Enfin, que je me... Ouais, que je fasse un petit somme là, ouais, pendant 5 minutes. Après j'y vais. Ouais. Parce qu'il me faut combien de temps? Il me faut combien de temps? Ah, c'est marrant. C'est marrant, c'était tout noir. Oh, au pire, on attendra sur place. Au pire, ça nous laissera du temps pour discuter. S'il y a encore du monde sur le sur le stream. Pas gagné. Là, ça m'a rien donné. Hein. Ah, quoique. J'ai entendu de la musique provenant d'un bâtiment éclairé par des bougies sur l'autre rive. J'ai trouvé un pont couvert menant à la partie la plus sombre de la forêt. Avant d'atteindre un bâtiment éclairé par des bougies, elle emporte ensuite le conteneur dans un passage secret caché derrière une cheminée où brûle un feu vif. Elle suit une procession de lumière et traverse une forêt avant d'atteindre un bâtiment éclairé par des bougies. Est-ce qu'il faudrait pas suivre les lumières? Est-ce que ça serait pas aussi con, par hasard, que de suivre les lumières? Ah, il y a la sonde! Vite, on va rattraper la sonde! Regardez, elle est en train de se barrer. Au revoir, petite sonde. Oh! Mais pourquoi? Ah! Réacteur endommagé, faut que je me barre vite. Merde! Vite, barre-toi! Voilà. Vous venez d'entendre... Vous venez d'entendre ce qui s'est passé, hein, évidemment. A priori, mais pourquoi ça fait ça? D'habitude, ça fait jamais ça. Je suis choqué et déçu. Hein. J'aurais pu essayer de me soigner quand même avant de partir. Tant pis. Parce que là, si je fais le moins de petits sauts, qui se passe mal, je vais regretter. Non, non, celui-là. Merde, c'est pas lui. Ouais, c'était lui. Alors, premièrement, je vais là. Tac, tac, je me fais une petite sieste. Coucou Johanna. Ensuite. Ouais, je tombe pas à l'eau déjà. Ensuite, je vais là, j'ouvre la porte. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite.
d'habitude, je me réveille. Facile pour me réveiller. Attendez, est-ce que je peux y aller en face là? Ah ouais, ça marche. Attendez, ils me disent de suivre les lumières. Bon, je suis en train de perdre du temps là. Plouf, je me réveille. Ensuite. Ensuite, j'ai essayé de sortir d'ici, merci. Ouais, voilà. Ensuite, je vais chercher le radeau qui est là-bas. Je pousse le radeau, je monte sur le radeau. Impec. J'arrive là. C'est lequel? Bah merde! Bah! Tout de même! Parfait! J'arrive ici! Hop. Déjà? Le barrage est déjà pété à la tronche là? Non. Quand même pas. Hop. Là, on va descendre de manière correcte, histoire de pas se péter les genoux. Hop, et on avance. C'est parti.
Compliqué, hein. Alors on pourrait évidemment, je pense qu'on peut le faire avec les mecs qui rôdent. Quoique non, les portes, ouais non. Les portes ne s'ouvrent que quand ils sont plus là, quoi. Paf. On revient là, c'est parfait. Notre petit raccourci. Alors on voit un petit gars là-bas. On va attendre un tout petit peu. Faudrait pas les suivre par hasard? C'est un peu con parce que je vais le faire disparaître, mais hop, ils ont disparu. Ah oui, je me rappelle ce que c'était. Fallait passer à travers le feu. Voilà. Oh là là. Je me rappelle de tout. Et donc, eux, ils ont disparu. Ce qui, évidemment, va me faciliter la tâche, quoi. Thank you.
Waouh. Donc là... Quelle bonne idée, suivons les monstres qui nous tuent. Bah ouais, mais tu vois en fait, j'ai réussi à trouver le chemin grâce à ça quoi. Alors, ça c'est leur grosse planète, ça c'est Saturne. Paf. Alors l'œil. L'œil de l'univers qui leur dit « Ouais, allez-y, c'est trop bien !» Donc ça, c'est ce que j'ai déjà vu. Oh ! Ah, mais ils ont... Ah, ils ont niqué leur planète, en fait, hein. Ah, ils ont niqué leur planète ? Pour pouvoir avoir les ressources pour construire leur machin, quoi. Mais les mecs, vous êtes un peu cons. Les gars. Putain, ils ont détruit leur planète, en fait. Ah, tu m'étonnes qu'ils avaient un peu les boules. Download. Il a téléchargé un truc. Oui, alors si tu coules... Effectivement, si tu coules, tu perds, quoi. Ah, évidemment, ça c'est mort. Attendez, je vais reprendre mon truc. Mais il n'y en a pas un troisième ? Non, j'en ai que deux, là. Là, j'en ai que deux. Ok. Ouais, là, je peux pas remonter. Ok. Bon, on va aller explorer les maisons, maintenant. Maintenant qu'on a fait ça et que maintenant tout le monde est mort. Hein. Je vais pouvoir aller explorer les maisons au calme. Ça se trouve, il n'y a rien dedans. Hein. Ça se trouve, je vais être dégoûté parce qu'il n'y a rien dedans, mais... Là, il y a le faux feu. Là, il y a mon ombre qui m'a fait peur. Mais faut pas le dire. Est-ce que là, il y a d'autres trucs? Non. Il y a d'autres trucs, je pense pas non plus. Oh, le petit coup de la grotte au milieu de nulle part là. Là, il y a le petit pont. Donc là, on a quoi? On a les portraits de famille, là. Maison, là, il y a quoi? Il y a un étage.
Y a les lits chelous. Ah oui, non, c'est la grotte par laquelle on arrive avec le radeau. Ah non, en fait, les maisons, c'est juste... Ah non, j'allais dire, les maisons, c'est juste du bait, mais non. Parce que les maisons, on les voit sortir de la maison. C'est pour les suivre, en fait. Pour commencer à les suivre, il faut bien qu'on ait un endroit par où commencer. Et l'endroit par où commencer, c'est là, quoi. Ok. Bon bah là je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. Hein. Pas grand chose d'autre à faire par ici en fait. Hein. Là il y a maison, je viens d'y aller. Là normalement il y a le pont qui se construit, c'est ici. Ah non, on est... On a fait le tour, je pense. Ah, et puis on peut même plus revenir en face, ouais, parce qu'il n'y a pas la statue... Chelou leur statue là à 5 doigts là. Ok, bon, eh ben on va mettre la fin à cette boucle. Donc il reste la dernière, celle qui est super chiante là. Est-ce que vous vous rappelez? Celle où je me faisais tout le temps avoir. Ont des mains qui aident. Ouais non bah elle t'attrape en fait, ça fait hop comme ça. Et donc la dernière, est-ce que je vais y arriver quoi? Là est la question parce que j'arrêtais pas de me faire avoir. On va voir déjà si on a un peu plus d'infos là sur le... Sur l'ordinateur de bord. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Une bibliothèque pleine de carousels diapositives intactes cachées sous terre en profondeur. On peut voir l'un des sceaux du coffre sur un récipient. Mais son contenu a été détruit. J'ai trouvé un carousel diapositif montrant l'origine de l'étranger et de ses habitants. Le diapositive intact révèle le sacrifice réalisé pour construire l'étranger. J'ai trouvé un carrousel diapositif qui semble être une sorte de rapport d'erreur. On y voit l'un des habitants de l'étranger sauter d'un radeau à la jonction entre deux zones et tomber sous le monde. Ah! Ah! C'est pas ça que j'avais compris moi, c'était... Moi j'avais juste compris quand on saute d'un radeau, on meurt quoi. Et heureusement qu'il y a les trucs pour aider derrière. Hein. Johanna, est-ce que tu as le son? Ou pas?
Donc quand je suis sur le radeau et que je passe d'une zone à une autre, je peux me jeter. Il faut que je me jette. Joana semble pas avoir le son. Oui, ça arrive régulièrement. Elle est chez celle d'elle. C'est pour ça. Alors. Faut que je prenne un truc. Pas bête, je vais faire pareil. Bah en même temps, mais enfin... Alors, je le dis, hein, vous n'êtes pas prisonnier de ce stream. Hein. Si vous avez d'autres streamers plus intéressants à aller voir, allez-y. Hein. J'essaie de rendre le mien intéressant. Si j'y arrive pas, bon... Tant pis. Je suis plus là, faut pas me parler, hein. Quel enfoiré celui-là. Je vais essayer ici parce que c'est le plus simple pour avoir le radeau. Non mais je suis le premier à dire que je pars quand ça me chante, même sans dire au revoir, j'ai pas de remords sur ce genre de choses. Ah ouais. Le mec il va se faire engueuler tout le temps quoi. Donc je suis là, c'est que j'ai envie, prout. Si mais j'ai un gros jeu de boum boum à côté pour déstresser, donc j'ai pas entendu, désolé. Tu n'es pas concentré à fond sur le stream. J'en suis très désappointé. Ah, par contre, ils me disent que j'ai encore des trucs à trouver dans le coin là. Je vois pas trop parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour, mais. Ou alors faut couper le jus. Et derrière aller explorer les étages. D'ailleurs, je me suis mis à regarder Bear Barbu qui stream torse nu. Un mec des US qui est gay. Qui est en cuir sur sa photo de profil. Ok, et il a toujours son compte Twitch. Il me semblait que c'était interdit torse nu pour les mecs. Enfin, sauf si l'activité le demande, mais... Alors, et donc ils me disent, quand on est entre deux zones, donc,
Holy shit. Oh merde. Non, reviens. Reviens, connard. Là que genre 3 ou 4 viewers, mais il est beau et en plus il jouait à Nier Automata en hard. En hard. En hard. Et là il est sur Diablo 2. Putain, je suis encore plus encore horny, j'en peux plus. T'es Henry d'ailleurs. T'es pas horny, t'es Henry. Plutôt Henry Cavill ou. Oh mais le coup du radeau là, quand t'es entre deux zones. Nouveau pseudo, Henri, Henri Orny. Attends, ton pseudo de hardeur donc. Merde, ça me fait tomber. Je pense que ça me fait plonger dans l'eau direct, ça. Ça, c'est pareil. Là, y a rien. Ça commence bien vu que je marche vite, genre 2-3 fois, 1h30 par semaine. Need volume. Ok. Bien que je compense ma salle. Oh là 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 là. Le mec, il se dévalorise tellement, on dirait moi quoi.
Bon, ça fait quoi là si je saute là direct? Ah évidemment, je me doutais un peu. Bien dommage. J'ai déjà tout fouillé là-dedans, non? Parce que là, ça, c'est la salle chelou là-haut, voilà. Si je monte tout en haut de la tour, il y a quoi? Je l'ai fait ou pas, ça, déjà? Donc en fait, ils ont créé ce monde-là, le monde des rêves, là, pour recréer leur, leur habitat, leur planète de départ, quoi, qu'ils ont complètement anéanti pour pouvoir... créer le vaisseau, quoi. Enfin, je sais pas quoi pour trop penser de ma tête, parfois je trouve ça ok, mais souvent je plais pas, donc je sais pas. Niob, t'es pas parfait, mais t'es pas moche. T'es pas loin, je t'aurais proposé de boire un lait fraise. On est content du Mary Mathieu, t'inquiète. Ouais. Ils ont fait la matrice de Matrix en gros. Bah non. Ils ont fait juste la matrice. Oups. Alors là, on les entend mourir. On peut pas rallumer après, hein. Une fois qu'on l'a débranché, le machin, c'est mort. Là, j'ai une grande lumière. Une grande lumière qui vient du ciel. J'avais pas chopé d'autres trucs, là? Non. Non, je crois pas. Ben voilà. Parce que au bout là, c'est pour éteindre un des jetons là. Et au bout d'ici, là, je pense que ça va déployer un pont ou une connerie dans le genre. C'est pareil, c'est pour arriver au bout du bout là. Mais faut que je trouve du coup les codes de ces deux machins là, quoi. Quand il y en a un qui est éteint, ça donne quoi?
Ça donne pareil. Hein. C'est ça qui me manque du coup. Quoi? C'est peut-être ça qui me manque. Parce que là, celui-là, j'ai réussi à trouver. Évidemment, c'est cassé, mais... on peut arriver à s'en sortir sans. Mais celui qui est rond comme un ballon là. Attendez, ça on va. Celui-là on va l'appeler Charmed. Regardez, ça ressemble à. Ah non. De loin ça ressemble au logo de Charmed. celui-là. Celui-là il ressemble à rien. Bon, on s'en fout. Et celui-là c'est dans Skyward Sword. Vous savez, la machine à remonter dans le temps. Donc il me reste à moi à trouver Charmed. Charmed de loin. Et Skyward Sword. Est-ce que je peux remonter quand j'arrive pas de là-haut? Est-ce que j'ai des indices ici? Pas l'impression. En fait, c'est con parce que si on soufflait les bougies, ça serait plus simple. En fait, si on avait juste le choix de souffler les bougies, on pourrait buter tous les mecs qui sont derrière, quoi. Vous voyez, tous ceux qui ont leur petite flamme allumée, là. Tu souffles tout. Et dans le monde des rêves, il n'y a plus personne, quoi. Ça serait quand même vachement pratique. Non mais faut que je... Faut que j'aille à celui... Ou alors est-ce que ça me fait tomber ailleurs? Je vais pas avoir le temps mais... Est-ce que ça me fait tomber toujours au même endroit quand je... J'utilise le radeau là? Ça me fait tomber
un autre endroit en fonction de là où je tombe. Enfin, de là où je me jette. Ah, si je me l'ai dit. Pour les HDD, tu as dit que c'était Western qui était le plus silencieux que les Seagate, c'est ça? Ouais. T'avais un flingue, même pas besoin de souffler les bougies. Bah non, parce qu'ils sont déjà morts. T'as bien vu que eux ils sont déjà morts en fait. Donc si je tire. Si je tire des balles dans les cadavres. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Hein. Mais qu'il y a un gros lance-roquette, on peut quand même. Bah oui, bah, le lance-roquette du coup va souffler les bougies. Merde. Bye bye. On n'aura pas l'occasion de tester ma théorie. Ah, les autres là, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment passer. Ou alors je passe en mode force brute. Ça va pas être simple. Hein. En plus, ça m'a rien. J'ai toujours quelque chose. Parce que là, j'ai tout exploré. Genre le canyon, j'ai tout exploré. Mais la crique, il me manque un truc, quoi. Alors que j'ai trouvé. J'ai tout trouvé, là. Un chiant, quoi. Attendez. Non, c'est ceux que j'avais noté ça. Oui, ça c'est ceux que j'avais noté ça. Bon. Ouais, je crois que ça va être la... Je crois que ça va être la dernière... La dernière boucle. Je commence à fatiguer. Ah. J'essaye une ou deux fois de passer là avec avec ceux qui m'emmerdent. L'atterrissage le plus bourrin du monde. Merde! Allez, pousse le radeau. Allez, let's go!
Vous vous rappelez au tout début qu'on disait « Oh là là, la petite musique, c'est trop mignon !» Ouais, finalement... Hein. Finalement, ce DLC s'est révélé pas mignon du tout. Ils ont réussi à nous faire un truc original, mais pas du tout mignon. Hein. Pas mignon, pas gentil. Hein. Allez, on refait pas le... on refait pas le succès de mourir écrasé. Hein. Non, c'est pas là, je crois. Non, c'est là. Non, c'est là. C'est où? C'était là, mais j'étais trop près. Alors, comment ça non? Comment ça non? Pourquoi non? Pourquoi non? C'est vrai que t'es même pas sub toi. Hein. C'est vrai que t'es même pas sub quoi. Ok, alors le pont. Vlatipa qui sont vénères là. Est-ce qu'on peut repasser là? Donc là, je lui montre que je vais par là. En fait, je le bait. Hop.
plus y'a rien là-bas. Putain, j'ai fait tout ça pour que dalle. Ah merde, c'est par là. J'espère qu'il n'y en a pas en bas. Hein. Allez, salut. J'en veux plus ce jeu, ça fait peur, c'est cool. Ah mais t'imagines, moi jouer quoi. J'ai réussi à trouver cette pièce. De l'enfer. Alors... Finalement, c'est plutôt pas mal passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, on avait vu. Ils se sont dit notre planète elle nous manque. Et donc c'est là qu'ils ont créé leur voilà. Ah, c'est là qu'ils ont créé leur monde virtuel. Ok. Ça on avait compris. Ah. Ok, fallait sauter. Merde, fallait que j'enlève l'ancien. Pouf.
Donc. Quoi? Putain, c'est Matrix quoi. C'est Matrix. Donc je vois le truc là-bas. Et dès que je reviens dans la zone d'influence de ma lanterne. Paf quoi. Oh là 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 là. Ouais, ça met tout en relief, quoi. Et du coup, en quoi ça m'aide? Est-ce que ça va m'aider pour quelque chose? Est-ce que par exemple là, si je pose mon merdier ici et que je me casse, là, il y a un pont qu'on connaît pas là-bas. Hein. Ah, et je vois où ils sont. Là. Oh là là. En fait, c'était aussi con que ça, quoi. Moi maintenant je les vois, eux ils me voient plus quoi. Ça veut dire que depuis le début tu aurais pu faire ça. Ouais, exactement. Mais en fait c'est comme le jeu principal en fait. Le jeu principal, tu te rends compte que t'as rien à faire en fait. Ah ok, donc c'est un raccourci. Vous voyez le pont là, c'est un raccourci en fait. Il est pas visible, mais on peut l'utiliser. Oh là là. Oh, ça devient tellement plus simple.
Et là, on va tout voir, quoi. Les ponts invisibles et compagnie. Tout va être là, quoi. Dès que l'on arrive là. Est-ce qu'il y avait quelque chose en haut? Vous avez vu, ils ressemblent à des fantômes. Du coup, le cum ressemble à un fantôme, quoi. Est-ce que j'ai quelque chose à récupérer ici? A priori, non. Hein. Oh, l'arnaque, quoi. Ah, le truc que t'essayes vraiment jamais de faire, quoi. Parce que dès que t'es dans le noir, t'es flippé. En fait, faut le faire, quoi. C'est le truc qui te sauve, c'est Tu te dis bah en fait c'est bon, je lâche mon Je lâche ma jack-o'-lantern et je me casse. Bordel. Oh là 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 là, bah ouais du coup c'est tellement plus simple quoi. Salut Guy RM, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Salut à toi, bienvenue. On vient de faire une découverte. Bienvenue Néo. Ah mais oui mais tellement quoi. Ça y est. I am in the Matrix. Wake up Néo. Non, puis on voit bien en plus, c'est ça le truc. Ah, par contre, je peux plus descendre. Ah, par contre, je suis baisé pour descendre. Ah. Ah merde, et je l'ai laissé là-bas. Je l'ai laissé là-bas, ma lanterne. Ah. Non, mais ce qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va méditer. Hop. Ah là là, c'était si simple. C'était si simple de poser son truc. Rebonjour, enfin rebonsoir. J'avais dit que c'était la dernière. J'avais dit que c'était la dernière boucle, mais Mais là j'ai tellement envie d'en. Ça m'a réveillé d'un coup. Guillaume, t'as fait le jeu toi ou pas? Que je te vois débarquer, dire salut Néo, j'ai l'air de rien. Donc est-ce que c'est parce que tu connaissais le truc ou Yep, je l'ai fini avant-hier, d'accord, ok. T'as mis combien de temps pour faire le DLC à peu près? Pleine de carrousel, caché sous la terre en profondeur, on peut voir l'un des seaux du coffre sur un récipient mais son contenu a été détruit. J'ai trouvé un carrousel diapositive montrant les habitants de l'étranger en train de se rassembler autour d'un étrange feu vert. Diapositive intacte révèle la création d'une réalité simulée ayant pour modèle leur planète d'origine. J'ai trouvé un carrousel diapositive qui semble être une sorte de rapport d'erreur. On y voit l'un des habitants de l'étranger laisser tomber l'artefact sur le sol et marcher au-delà de son périmètre de projection. Et donc lui c'était quoi? J'ai trouvé un carrousel, on y voit l'un des habitants de l'étranger sauter d'un radeau à la jonction. Ah non, ça je l'ai fait. On y voit une alarme qui ne parvient pas à réveiller l'un des habitants de l'étranger. Ouais, mais faut que je retourne à la crique. Il me manque un truc dans la crique, donc let's go pour the crique. Attends, je regarde la longueur de mes vidéos de stream. Ah, tu stream aussi.
Ah, mais il m'a fait tellement flipper, moi, le DLC. Allez, j'ai pas le temps de me poser. J'ai pas le temps de me poser. C'est bon, hein. Il y en a un. Ouais, mais attends, mais j'ai toujours pas eu les codes, hein. Je me souviens m'être dit qu'il faudrait que j'essaie de poser la lanterne, puis j'avais oublié. Puis j'ai vu le rapport d'erreur qui disait de le faire. Alors si je compte pas les 5h30 que j'ai passé à refaire tout le jeu de base en cherchant où était le DLC, une vingtaine d'heures pour... une vingtaine d'heures pour le... Ouais d'accord, pour le DLC quoi. Ouais, je dois pas en être loin. J'ai compté cet après-midi, le jeu de base, je l'ai fait en 23h, 23h et des brouettes. Pour le jeu de base. Des fois t'as été dérangé par le chat. Alors j'ai moins eu ce problème récemment. Mais non, j'ai pas été trop dérangé par le chat. Au contraire, j'ai plutôt eu des... J'ai plutôt eu des tuyaux par le chat, moi. Quand j'ai demandé... Quand j'ai demandé, j'ai eu des petites astuces par le chat. Ah, pas le chat, le chat. Ah, le chat miaou. Ah, tu as un chat miaou. Tu as un chat miaou qui t'embête pendant le stream. Oui, c'est le problème avec le... C'est le problème avec le français, hein, souvent. Le chat et le chat, on sait pas trop, quoi. Oh, je sais jamais, je sais jamais. C'est là? Non. C'est là? C'est là? Oui. Le mec, il a toujours pas appris quoi. 50 heures sur le jeu, mais... Des fois avec celui du voisin qui s'y met en deux... Ah bah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Allez, go. Mais merde, je suis déjà paumé. C'est bon. Alors. Ah, j'en ai quand même besoin. Donc ma lanterne, j'en ai quand même besoin là pour le début. Pour le ça là. Allez, pause. Là, je me casse. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oh, on voit même le... Oh là là... Oh là là, on voit vraiment tout. On voit les mecs qui sont en haut. Je sais pas ce qui me manque en fait, hein. Quand le jeu me dit que j'ai pas tout exploré, je vois pas ce qui me manque en fait. Est-ce qu'il faut que je coupe la lumière? Est-ce que c'est ça que le jeu essaie de me dire?
Alors, on va essayer de couper la lumière. Alors, pour couper la lumière, je sais plus de quel, c'est quel côté. C'est par là ou c'était l'autre? Non, parce que ici, c'est pour aller dans le puits. Là j'arrive, là je resquille. Ensuite je coupe la lumière. Ah bah t'es là toi. Ensuite je focus. C'est quoi en face? Je sais pas. Ça m'emmène où? Attendez, je vois rien. Alors du coup... Voilà, ça va être plus simple. Non, ça me donne rien. Salut monsieur Sokioni. Ça fait 30 minutes que je suis là, j'avais cliqué sur ton live et je voulais dormir, mais je suis hypnotisé par le jeu. Bah c'est le problème, hein. C'est le problème du jeu. Hein. Moi c'est pareil, là j'avais dit c'était la dernière boucle, et puis bah, finalement me revoilà pris dans un torrent quoi. Alors, en plus si vous avez... Non mais là, non c'est pas bien quoi. Et si vous aussi vous avez envie de voir la fin, je suis pas sûr qu'on finisse ce soir. Je suis pas persuadé qu'on termine ce soir. J'ai pas du bon côté. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est aussi con. Et je mets 12 plombes à me rendre compte que je vais pas du bon côté quoi. Non mais ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Parce que là même si... Ah non on peut déjà... y a pas le... Oui. Y a pas d'interrupteur. Ouais. Il n'y a pas d'interrupteur sur les nacelles. Les nacelles qui descendent là. Il n'y a rien pour les faire revenir en fait. Donc même si j'arrive à les appeler, enfin même si les mecs vont descendre là, j'aurai rien pour remonter derrière quoi. Et c'est bien emmerdant. Là. Là, il y a le rocher. Donc de toute façon, je peux pas aller plus loin. Voilà, on est bloqué pour... On est kéblo par le rocher. Alors, admettons. On veut voir la fin de la fin. Ah ouais, mais faut que je puisse, quoi. Je pense pas être assez intelligent pour y arriver là. Alors nous arrivons là. Nous arrivons ici. Et donc là tout le monde se vénère. T'as entendu ça? Ils sont vénères là. Moi ce que je fais, c'est que j'invoque le pouvoir de Néo.
Regardez, ils descendent tous là. Il va jusqu'où lui là? Ah non mais eux d'accord, ils vont dans le puits. Et après, les nacelles elles reviennent. Je peux pas les appeler. Ce qui finalement me sert pas à grand chose quoi. Mais toutefois, le jeu me dit que j'ai encore des choses à découvrir ici, quoi. Et j'ai du mal à comprendre quoi. Hein. Parce que là j'ai visité... Non, mais j'ai visité tout le bled, hein. Ou alors c'est en bas au niveau du... Ou alors c'est en bas. Attendez. Ah mais c'est bon. J'ai plus peur de vous. Viens toi. Viens. Viens. Viens avec moi. Merde. Merde, c'était où? Ah oui, d'accord. Tiens, il y en a qui sont morts. Oula. Ça c'était risqué, mais... Ah, attendez, donc là je pose mon truc. Voilà. Pouvoir de Néo. Bah va là-bas toi. Mais je vois rien, c'est le problème. Je suis en train de tout ouvrir, c'est génial. Ok. Il y en a encore en bas quoi. Mais il y en a partout. Mais c'est quoi ces trucs?
le moment où j'ai découvert l'origine de ce bruit immonde. Après le barrage qui pète. Ouais bah pareil en fait, j'avais pas compris. Et je m'en suis servi moi pour... Je m'en suis servi pour justement y aller dans la forêt là, et qu'il n'y ait plus personne. Comme ça au moins j'étais tranquille. C'est bon à savoir quoi quand il y a le barrage qui pète. La forêt devient inhabitée. Ah mais ça j'y suis allé tout à l'heure. Et voilà, c'est par là que il y en a un qui est descendu par là. Donc ça c'est ok. C'est de là où j'arrive. Vous croyez que je vais avoir des indices dans ces machins là ou je suis en train de les ouvrir pour rien en fait? Je suis en train de les ouvrir pour rien. Ah d'accord. Et ben on va aller voir ça tout de suite. Ah merde. Non c'est là. Putain, c'est que des portraits... Ah ça se referme. Et ben je me casse. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas servir à grand chose hein. Chitio. Ah, puis ils sont en train de camper à côté, quoi. Oh, mais il revient par là, lui. Non, mais il tourne autour. Des bisous, Johanna. Merci d'être passé. Regardez-les, ils sont en train de camper autour du machin, quoi. Allez vous, je vais le récupérer. Pourquoi ça se barre? Mais non, mais c'est que des portraits chelous, là. Hop. Bonjour, je suis Néo de Matrix. Merde. Ah, il m'a pécho. Ça fait crack, ouais. Ouais, on a bien tendu le crack. Hein. Alors. Je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Enfin, je vais peut-être pas avoir le temps, par contre, de faire autre chose, mais... On va essayer de faire autre chose. Hop. Hop. Aïe, mes genoux. Viens par là, toi.
Ouais, non, bah non. Je crois qu'on va pas avoir le temps de faire autre chose. Bah, j'ai une idée en fait. Le troisième. Donc en fait, comment. Des fois, on peut ne pas être réveillé. Ah putain, ouais, c'est ça. L'endroit où il y a le. Mais oh là là, c'est. Je pense que j'ai un truc. Vraiment que je dors, je bosse de tôt demain. Désolé, bah des bisous, monsieur Zucchini. Mais de toute façon, là, je pense que je vais arrêter. Ouais, il est 23h08. Je vais arrêter là. Je vais juste parler de ma petite théorie là. Dans le. Attendez, je. Attendez, non, bah, je vais aller montrer dans le vaisseau. On va méditer pour la prochaine. Mais ouais, là, j'ai peut-être une idée. Tu vas aussi, Goebel? Et bah, bonne nuit à toi. Merci d'avoir été là. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir sur le stream. Puis on peut, voilà, qu'on puisse discuter un petit peu. Ayoui Mezo, ouais non, je l'avais déjà eu. Je l'avais déjà vu le succès. Des bisous Gabelle. Et ouais, j'avais déjà eu le succès. J'ai fait un peu la chasse au succès dans le jeu, donc. Ah! J'ai trouvé les décombres d'un bâtiment détruit par les flammes en bordure de village. C'est tout ce qui me manquait. Et donc, je pense que. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Là où il y a la statue, où il y a la structure. Le truc de gauche, il faut que je pose mon artefact et après je vais dessus. Et il y aura sûrement un pont magique pour m'y emmener, pour l'éteindre. Le deuxième, faut que je tombe quand je suis sur un radeau entre deux zones et j'arrive à le désactiver. Et par contre, le troisième, faut que je ne sois pas réveillé. Mais par contre, lui, j'ai pas fait gaffe comment c'était. Faut que je fasse en sorte de ne pas être réveillé quand il y a une alarme. Mais j'ai pas fait gaffe, j'ai plus fait gaffe à ce que c'était ça. Mais ouais, en fait, c'est ça. C'est ça. Là, on a les trois méthodes. On a les trois méthodes, en fait, pour la gauche, le milieu et la droite. Parce que la droite, en fait, c'est un cornet, là. Et donc, ouais. Et je sais plus. Je sais plus ce que j'ai vu. Je sais plus ce que j'ai vu. Là, j'ai trouvé totalement par hasard en ayant mal compris un truc au début. Ah, au pire, soit j'ai une idée lumineuse, soit je te demanderai, je pense. Parce que j'ai pas envie de me retaper tout le chemin pour voir un truc que j'ai déjà vu en plus. Ouais, ça me fait chier. C'est un des défauts, je trouve, dans le jeu. Alors, effectivement, voilà, c'est pas mal pour le lore du jeu. Mais c'est quand même un défaut, je trouve, du jeu. Attendez, est-ce que j'ai accès à un radeau simplement avec le premier? Je crois que je peux avoir un radeau. Ouais, quand je passe la porte. Ouais. Bon, on va aller sur le premier et on va voir. Bon, on va peut-être terminer finalement.
Ah, ça vient de m'apparaître quoi. Le DLC est beaucoup moins bien fait niveau logistique que le DLC. C'est frustrant par endroit. Oh non, c'était pareil sur l'autre. Hein. Quand tu te rappelais pas d'un truc, c'est foutu quoi. J'ai pas le temps d'attendre que le truc monte. J'ai pas le temps. Voilà. Hop, je pose ça. Et c'était pas là. C'était pas là non plus. Oh là là! Et c'est où? En face? Ah mais non, mais arrêtez! Ah, le jeu qui troll quoi. Ouais, mais tout avait tellement une explication logique au début, je me rappelais beaucoup mieux les choses. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Enfin, puis après, il y a un peu de lassitude aussi qui rentre là-dedans. Enfin, voilà. J'allume le feu. J'allume le feu. Et j'éteins la porte. Pour pouvoir entrer dedans. Y'a quoi ici? Mais de toute façon, c'est pas là. Arrête. Mais je dis, il doit y avoir un truc de l'autre côté, et puis. Finalement, j'y vais pas, quoi. Là, il y a la porte. Hop! Zen. Voilà, le strapontin là. Hop. J'appelle un radeau. Merci beaucoup. Ah, là aussi, il y a une indication que t'as pas. Ah là, je sais pas, l'ordinateur de bord, il me disait que j'avais tout, hein. Alors, on commence par ça. Hop, je suis dans le vortex là. Zbram. Savoir où est le passage dans la tour, je voulais dire. Ah si si, si ils le disent, mais si mais à chaque fois, à chaque fois j'ai pas fait. Là, je pense que c'est plus moi qui ai pas fait gaffe quoi. Donc, le premier, il faut se retrouver entre deux eaux. Hop là. Vas-y, on allume tout. Zen, il faut que je sois en dehors de la zone d'effet. On voit les sigles, non? C'est ça? Ah non. Ah d'accord, ah ok. Oh là là! D'accord. Génie. Ok. C'était bien un truc auquel je pensais quoi. Ah, est-ce qu'on peut faire pareil? Est-ce qu'il y a la même arnaque avec le dernier là?
Non, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Ouais, bah du coup, Guillaume, je suis preneur. Je suis preneur de comment on fait pour pas se faire réveiller. Parce que j'ai pas fait gaffe. Je me rappelle qu'il y a un truc avec le cerveau. Quand le cerveau est mort, quand la tête est morte, c'est ok. Tu n'entendras pas les cloches si tu es mort. Au bordel. Bah non. Bah essaye. Non mais attends. T'entendras pas les cloches si tu es mort. Mais quand si je suis mort dans le monde réel, il faudrait que je meure dans le monde réel. Mais comment, une fois que je suis mort, comment je... Comment je peux mourir dans le monde réel? Après être rentré dans le monde des rêves. Je suis en train de réfléchir. je sais que là, ça, vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de faire caca? Mais non, c'est comment je peux mourir dans le monde réel après être entré dans le monde des rêves sans que ma flamme s'éteigne. Parce que effectivement, ouais. J'attends avant de te donner le truc. Attends, je suis en train de réfléchir. Quand je rentre dans le monde des rêves, ouais, je peux plus rien faire. Alors je pourrais... À la limite, je me mets dans le feu. Je me mets dans le feu. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Je me fous dans le feu et je fais une sieste. Chaud, hein. Ah non, ça me... Et notre tour, celle-là va pas tarder à être immergée. C'est pas con. Bah tout de suite en fait j'ai l'impression, non? J'ai entendu la flotte, non? le mec a pas réussi quoi. Je la pousse. Pousse le radeau. Comment je peux me tuer? Comment puis-je me tuer dans le monde réel? Ah. Là ouais, il y a la cloche.
Ouais, là je peux pas. Ah non, à chaque fois ça me décale quoi. Il y a de l'idée. Attends, il y a de l'idée. Suis en train de réfléchir aux manières que j'ai de crever dans le monde réel, quoi. Je peux mourir noyé, je peux mourir asphyxié. Mais ouais, non, mais généralement, avant de mourir, on perd conscience. Attends, c'est pas. C'est lié à la pièce en fait? Non. En fait, c'est lié à cette pièce-là? Holy shit! Ah ouais, en fait c'est quand on est dans la pièce et qu'on perd conscience, on a... Oh là 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 là. Ok. En fait ouais, tu passes dans le monde des rêves du fait d'être... de perdre conscience en fait dans la pièce quoi. Début de partie je faisais toujours ça parce qu'en voyant le type à l'état de cadavre j'étais persuadé qu'il fallait être mort. Ah ok. Ah ouais en fait faut se tuer dans la salle. Oh là là ok. Je... Ouais je suis pas sûr que je l'aurais eu. Par contre là... Là si je meurs par contre... Je meurs pour de vrai. Enfin, la boucle s'arrête. Si je meurs dans le monde des rêves, parce que j'ai plus de corps dans lequel me réincarner, quoi. Ah mais non! Ah merde! Ah par contre, là, je suis très embêté. Là, faut le faire en une fois, quoi. Ah, je suis bien emmerdé, là. Merde. Ouais, vas-y, on va le refaire, c'est pas grave. Maintenant qu'on sait. En fait, faut y aller direct en mourant, quoi. Là, on va pouvoir aller vite, quoi.
On va pouvoir aller méga vite. C'est ça qui est rigolo avec ce jeu, quoi. Tu passes des heures sur un truc qui, au final, peut être plié en moins de 10 minutes, quoi. Ah, je me suis bien fait baiser par le, le petit pont, là. Oh, je devais me coucher plus tôt que ça. Oh. J'en ai vraiment plus rien à branler. Hein. Du vaisseau. Pas le temps de prendre une barque, moi. J'ai déjà oublié. Merde, j'ai déjà oublié. C'est bon, j'ai pas oublié. Bon, si un peu, mais bon. Bon là, c'est pareil. La première fois, j'ai attendu que le barrage pète. Me souvenant que la matière fantôme ne mixait pas dans la... Ah ! Je peux te le dire maintenant, systématiquement l'image, on voit la planète à anneaux. Ah, d'accord, ok. Allez hop ! Salut ! Allez, pas le temps de niaiser là. Merde, c'est pas ça. Hop, c'est éteindre. Ça tombe pas dans l'eau. Déconne pas, tombe pas dans l'eau. Hein. Ah non, 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 hein. Je refuse. Je refuse de tomber dans l'eau. Ce serait vraiment un aveu d'être nul. Hein. Alors, vous le savez, mais je veux pas l'avouer. Hein. Let's go! Oh là là, on va enfin ouvrir ce machin de merde là. Les autres qui font la fête à côté là. Hop. On est dedans. Allez, faut se dépêcher maintenant. Et pas mourir. Se dépêcher et pas mourir. Parce que évidemment, je suis quand même allé dans l'endroit qui coule le plus rapidement possible quoi. Étant donné que je suis un génie. J'ai pris le seul endroit qui coule, quoi. Attends, j'ai failli... Oh là là. Alors j'ai cru que je passais à côté, hein. Ah oui, on entend rien. Coucou, j'entends rien. Ah mais du coup tu t'es pas demandé
Guirem, tu t'es pas demandé pourquoi il y avait des trucs qui faisaient du rouge mais qui faisaient rien? Bah ouais. Ouais, tu devais te dire bah pourquoi y a des lumières? Ok, bah y a des lumières, on s'en fout. Hein. Y a des lumières, y a des lumières quoi. Bah oui. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il donc se passer? Est-ce que je vais avoir le temps aussi? Ou est-ce que le barrage va péter avant? Merci. Oh putain, le barrage il va péter avant. Je vais être dégoûté, hein. T'es qui toi? Prisonnier? Qui êtes-vous? Pourquoi ils lui ont coupé, coupé ses bois à lui? Mais c'est donc celui qui est manquant. Il y en a un en fait, il y a tous les sièges qui sont pris. Il y en a un en fait. Il y en a un. On n'a pas son siège. Ah, il a désactivé le truc pour que le signal refonctionne. Oh, ils vont se vénérer. Mais ça a laissé le temps à des gens de réentendre le signal, quoi. Qu'est-ce que j'en fais de ta torche maintenant? Merci mec, mais je m'en fous. La torche! Ah mais oui, j'aurais dû la poser dedans. Merde, je suis con. Utilise-la sur lui. Je pouvais pas l'utiliser.
J'espère que ça arrête le jeu, hein. Parce que là, le barrage qui va péter, ça va me foutre les boules, hein. Attendez, torche. Ah mais oui, projeté. Ah, faut rester appuyé. Ah, je vais lui montrer mon histoire. Oh, la reprise. Dun, 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 dun. Ouais, le fait que lui réactive. Ouais, il explique que les nomailles et tout ont entendu le signal, mais l'ont entendu qu'une fois. Ah, ils sont partis direct. Ouais, je peux lâcher là, ouais, je peux lâcher. Il explique le coup du vaisseau. Évidemment. Ah mais ça fait quoi? Ça fait quoi si... On va direct? Ah je serais... je serais curieux de savoir si on termine pas le jeu. Parce qu'on peut pas savoir tout ça en fait. Si on va le voir lui avant de terminer le jeu. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, tu loupes pratiquement toutes les animations. Ah mais c'est nous. Finalement, pas si méchant. Je peux venir avec lui? Wesh mon pote. Je peux pas venir avec lui? Il m'a enfermé le salaud. Attendez. Il a renvoyé l'ascenseur, je crois. Ouais. Bah, c'est rigolo du coup qu'ils aient fait en sorte que oui. tu le vois et tu lui dis juste rien. Salut, du coup, bah non, en fait, j'ai encore rien exploré. Je suis venu direct là. Il va avoir fait. Il va avoir montré à tous ses potes. Ah non, parce que tous ses potes ils sont morts. Ah non, ils sont pas morts d'ailleurs, mais.
qu'il raconte? J'ai pas compris. J'ai pas compris la vision là. C'est le petit radeau là, mais moi je suis Keblo ici en fait. Ah, c'est une manière de dire au revoir. Ah, ok. Parce que j'allais dire, moi je suis comme un con, je suis Keblo là. Allez. On va aller voir ce que ça dit sur l'ordinateur de bord. Alors, chance, pilote automatique, j'arrête pas de me faire tuer. Ouais. Tadam! J'ai rencontré l'un des habitants de l'étranger qui était prisonnier du coffre. Le prisonnier m'a montré une vision révélant les actions qu'il a entreprises et qui ont entraîné son emprisonnement éternel. J'ai utilisé la torche de vision pour transmettre au prisonnier mes connaissances concernant l'histoire du système solaire. Bon bah voilà. Bah du coup on a fini. Du coup on a fini le DLC. On essaiera quand même de se refinir le jeu. On essaiera quand même de se refinir le jeu, je pense, une fois. Pour voir ce que ça donne. Hop! Mais toujours est-il que c'est fini pour ce soir. Pas tout à fait. Ouais, c'est fini pour ce soir, c'est sûr. Hop! Et bah des bisous YouTube, à la prochaine. On se fera une petite session à Outer Wild sûrement pour les le reste des succès à faire et puis peut-être pour d'autres petits trucs parce qu'a priori on a peut-être pas fini. Des bisous, hein. À la prochaine.